Merci de nous rejoindre aux 20h, Madame, Messieurs. Bonsoir. À la une, tentative de désescalade entre Kinshasa et Kigali. Tout se joue à Luanda autour de João Lourenço, mandaté par l'Union africaine. Des rencontres en aparté suivies d'une tripartite Tshisekedi-Lourenço-Kagame est prévue dans l'agenda de ce mini-sommet. L'RTNC ciblé par une campagne de sape sur les réseaux sociaux. Robert Belli de Bunga rappelle à l'ordre les troupes sur les faiblesses constatées. Le directeur général intérimaire de la RTNC a fait le bilan de ses premiers 6 mois de gestion. Un nouveau bataillon pour renforcer la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Plus de 120 médecins encouragés par les pauses du chef de l'État sont formés sur la prévention, le diagnostic et la prise en charge de la maladie. Ils sont tous de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. C'est tout pour le sommaire, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue. Tentative de baisse de tension entre Kinshasa et Kigali sur demande de l'Union africaine. Le président de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda prennent part à la tripartite autour du président angolais. Précision de taille, la RDC n'est pas dans une logique de négocier avec le M23. Blandine Zovo, reportage. Luanda, capitale de la République d'Angola, accueille ce mercredi 6 juillet une tripartite RDC-Angola-Rwanda, sous la médiation du président angolais João Lourenço, président en exercice de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en début de soirée dans la capitale angolaise, accueilli sur le tarmac par un comité restreint composé des officiels des deux pays. C'est à l'initiative du président João Lourenço, mandaté par l'Union africaine, que Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vont se rencontrer dans un mini-sommet pour faire baisser la tension entre les deux pays voisins. Il s'agit donc d'une démarche de tentative d'apaisement diplomatique suite au regain de violence à l'est de la RDC dû aux attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Cependant, il est à noter que la République démocratique du Congo ne se trouve en aucune manière dans une logique de négociation avec le groupe terroriste M23, mais il s'agit plutôt d'une démarche sous-régionale enclenchée par l'Union africaine. La dernière visite du président Tshisekedi le 14 juin dernier à Luanda s'inscrivait dans le même cadre, d'autant plus que le chef de l'État congolais a toujours mené en parallèle l'approche diplomatique et la défense du territoire par les FARDC. Ce sommet prévoit 2 bilatérales entre Lourenço Tshisekedi et Lourenço Kagame, suivi d'une tripartite entre les 3 chefs d'État ce mercredi 6 juillet. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et de son mandataire spécial, le professeur Serge Tshibangu, ainsi que d'une équipe restreinte des collaborateurs. Toujours autour de ce conflit, le groupe d'initiative pour une médiation à l'africaine JIMA appelle à la baisse de tensions. Ce groupe salue en même temps les efforts de pacification et de recherche constante de la paix entrepris par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Les groupes d'initiative pour une médiation à l'africaine JIMA suit avec beaucoup d'attention l'évolution de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En cause, la résurgence des attaques de groupes rebelles actifs dans l'est de la RDC que les Congo accusent le Rwanda de soutenir. Face à cette situation, les JIMA partagent les inquiétudes des Africains et de la communauté internationale et appellent à la désescalade. Le président Tshisekedi s'était engagé de sa prise de fonction à mettre en place des mesures tendant à apaiser les tensions et garantir la sécurité dans la région. Ainsi, les JIMA apprécient hautement ses efforts constants en faveur de la paix entre les deux pays.
Le président du JIMA, El Hadji Malik Mbaye, expert en médiation internationale, se rendra incessamment à Kinshasa puis à Kigali pour témoigner de l'engagement du JIMA de se joindre à toutes les initiatives de réconciliation et de médiation dans le cadre de cette crise. L'organisation est prête à mettre son expertise au service de la paix et à trouver une issue politique par le dialogue. Pour rappel, le JIMA est une organisation politique et non confessionnelle basée à Rabat. Il regroupe des intellectuels de la société civile et autres acteurs de la vie politique et sociale africaine et sa mission principale est de réfléchir sur les mécanismes de médiation rapide et efficace à l'africaine, c'est-à-dire s'appuyant sur des ressources endogènes pour la gestion de conflits en Afrique et partout ailleurs où sa médiation et son expertise sont requises pour les retours ou l'instauration de la paix. Revenons au pays. Transparence dans la gestion à l'Assemblée nationale. Plusieurs activités ont été organisées au cours de la session de mars. 22 lois ont été adoptées et a eu également vote d'un nouveau membre du bureau. Le rapporteur de la Chambre basse a fait le bilan devant la presse. Sylvie Moembo, Gikitoko, Bernard Abodo. Devoir de redevabilité et dans les soucis de rendre transparent toutes les actions menées durant la session ordinaire de mars 2022 sous la houlette du président Christophe Mboso Kodiapuanga, le rapporteur de l'Assemblée nationale Joseph Lembili-Boula se félicite des réalisations de cette session qui a connu aussi l'élection d'un membre du bureau et plusieurs lois votées. Au cours de cette session de mars, le Parlement a été convoqué en congrès pour la désignation d'un juge de la Cour constitutionnelle. Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle procédé à l'élection des membres du bureau au poste du premier vice-président. Dans la phase essentiellement axée sur les activités législatives, il est important d'indiquer que les lois adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat pour examen en seconde lecture. Et de l'autre côté, les lois déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyé aux commissions pour examen approfondi. Dans les premiers volets relatifs aux lois adoptées à l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat pour examen en seconde lecture, il y a 22 lois adoptées. Il est utile de souligner que, au cours de cette session de mars, l'une des missions de l'Assemblée nationale était de pouvoir doter la Commission électorale nationale indépendante d'un instrument juridique important. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale s'est acquittée de cette exigence légale. En six, il est important de souligner que l'Assemblée nationale avait accordé beaucoup plus de temps aux honorables députés nationaux, aussi bien lors du débat général que pendant la période précédant l'examen de la loi électorale par la commission PAG, dont le seul but de rechercher un large consensus. Et puis, ces félicitations au gouvernement pour les progrès réalisés depuis 2019. Une analyse faite par Citibank, son manager directeur l'a dit au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé aujourd'hui. Cette banque renouvelle son soutien à l'économie congolaise. Patti Tondwangu Kizunda. La Citibank réitère son engagement de soutenir l'économie de la République démocratique du Congo. Affirmation de son manager directeur Hakim Doudou à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge ce mercredi 6 juillet 2022. En fait, il est venu, c'était une visite de courtoisie et pour féliciter le gouvernement et le Premier ministre de tout le travail qui est fait et que le progrès qu'il voit depuis 2019 est très, très important en fait. Mais également de préciser notre engagement ici, Citi, en RDC, puisqu'on est là depuis 51 ans, en fait. Citi Bank est opérationnelle en République démocratique du Congo depuis 1971 et est spécialisée dans les financements des commerces, trésoreries, entreprises, mais surtout des industries minières. Je l'ai annoncé hier, les échanges commerciaux ont repris au poste frontalier de Loufou à la limite RDC-Angola, fermé depuis 2020 suite à la pandémie. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, invite les commerçants à l'ordre pour faciliter le service des agents de l'ordre. José Baïtouambo. Quelques tours de clé dans les serrures pour ouvrir le poste frontalier au plaisir des vendeurs.
Les marchés de Lufu, érigés entre la République démocratique du Congo et l'Angola dans les territoires de Songololo, Congo central, a officiellement repris ses activités ce 5 juillet, 2 ans après sa fermeture à cause du coronavirus. Le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, qui a présidé la cérémonie aux côtés de son collègue angolais, a indiqué que cette réouverture ne devrait pas donner lieu à des désordres. Un devoir pour moi, celui de remercier leurs excellences, João Lourenço et Félix Antoine Tshisekedi, respectivement, président de la République populaire d'Angola et président de la République démocratique du Congo, pour le degré de rapport actuellement entretenu par nos deux pays, degré de rapport qui fait que nos deux peuples, Angola et RD Congo, sont rapprochés davantage. La réouverture de nos frontières n'appelle pas à du désordre. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, j'invite tous nos concitoyens à pouvoir faciliter la tâche à nos services de renseignement, de sécurité et de défense. Les deux peuples ayant de liens historiques, la rouverture de cette frontière va de nouveau booster les échanges commerciaux entre les deux peuples à travers notamment les renforcements sécuritaires de personnes et de biens sur ces lieux de négoce qui permettaient à tout le coût social d'acheter à moindre coût plusieurs produits tels que le coup jetable pour bébé, le lait, la farine de maïs, l'huile végétale, les chaussures et autres. La frontière congolo-angolaise de Lufu n'est pas la seule qui rouvre à travers cette cérémonie qui a connu également la participation des gouverneurs du Congo central et du Kasaï et ceux de plusieurs provinces angolaises. Les activités reprennent dans tous les postes frontaliers partagés par l'RDC et l'Angola. La CENI fait l'inventaire. L'opération concerne le matériel. Que reste-t-il encore? Dans quel état? Les experts travaillent à l'entrepôt central de l'aéroport international de Ndjili. La même opération a été réalisée en province. Téti Samba, Hervé Poudi. La Commission électorale nationale indépendante a l'œuvre pour se rassurer de la fonctionnalité des matériels électoraux. À cette cérémonie de lancement de l'opération des inventaires, prenaient part le questeur de la CENI, le secrétaire exécutif national, Madame la secrétaire exécutive nationale adjointe, le directeur de la logistique et les membres du secrétariat exécutif provincial. C'est le questeur adjoint de la centrale électorale, Madame Sylvie Birembano, et qui a donné le top départ de ses travaux. Nous avons été mandatés par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Son Excellence Monsieur Denis Kadima, pour venir faire la supervision de l'opération des inventaires, de contrôle des matériels, contrôle quantitatif et qualitatif. Parce que c'est en prévision de nos acquisitions de la quincaillerie électorale que nous sommes là pour voir, nous rendre compte des machines ou des matériels qui fonctionnent et des machines qui ne fonctionnent pas. Et essayer de désengorger aussi l'entrepôt par rapport à tout le matériel qui n'est plus utilisable parce que nous devons dégager de l'espace pour les nouvelles acquisitions. Notons que cette activité a connu une séance de simulation marquée par 2 étapes, celle notamment de la vérification physique des composantes de matériel et la fonctionnalité des matériels. Santé. Plus de personnel qualifié pour une prise en charge de qualité des malades souffrant de l'anémie SS. 121 médecins viennent d'être formés. La première dame, Denise Nyakiro-Tshisekedi, a présidé la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats. On les découvre dans ce reportage signé Naïcha Kialamouila, Charmant Lilo. L'un après l'autre, les 121 lauréats reçoivent leur diplôme interuniversitaire en drépanocytose des mains de la première dame de la RDC. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la lutte que nous sommes en train de mener dans les pays est en train de porter ses fruits. Nous remercions la première dame d'être là. Pour nous, en tout cas, le meilleur est à venir.
une deuxième promotion de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa qui vient répondre au problème du déficit en personnel qualifié. Ces médecins sont désormais outillés dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge des drépanocytaires. Tout en saluant cette belle initiative, je me réjouis également de la mise sur pied du Centre d'excellence de la drépanocytose au sein du département des sciences de base de la faculté de médecine. Ce centre qui vise la formation continue du personnel médical en charge de personnes vivant avec la drépanocytose. La recherche clinique est fondamentale. L'organisation des soins spécialisés de la drépanocytose dans un cadre multidisciplinaire et un dispositif de taille dans l'écosystème de lutte contre la drépanocytose. Question de santé publique, la lutte contre la drépanocytose est un engagement ferme de la première dame de la République, Denise Nyakiruchi-Sekedi. Le soutien à ce genre d'initiative vient s'ajouter aux nombreuses actions déjà entreprises pour stopper l'élan de cette maladie, longtemps restée incomprise. Nous sommes très honorés et nous sommes très fiers parce que la première dame montre vraiment son engagement contre cette maladie. En suspendant toutes ses activités, en acceptant de venir participer et présider personnellement cette cérémonie de la remise des diplômes à nos lauréats, cela nous marque bien. Très engagé pour la lutte contre la drépanocytose. Un appui considérable aux agendas des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de la santé présents à la cérémonie. La KU Leuven, l'Université Paris-Est-Gretel et l'Université Libre de Bruxelles ont, aux côtés de l'Université de Kinshasa, participé à cette formation. Ce n'est que par une action concertée que l'on pourra enfin vaincre la drépanocytose. Cette pensée de la première dame de la République est le fondement de la lutte menée par la fondation qui porte son nom. C'est validé la politique agricole durable pour la République démocratique du Congo, un document qui reprend des stratégies pour faire face notamment à l'insécurité alimentaire et à la protection des réserves naturelles. Ce document a été validé au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Reportage Blondine Wavingana Pobokuku. Au total, 161 participants ont validé la politique agricole durable de la République démocratique du Congo. C'est là, moyennant quelques amendements. C'était à la clôture des travaux de l'atelier organisé au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa par la FAO sur financement de CAFI Fonared. L'idéal de ces assises était d'arrêter les stratégies pouvant permettre de faire face à l'insécurité alimentaire grandissante en République démocratique du Congo. La validation de ces documents va doter la RDC non seulement de moyens pour accroître la quantité et la qualité de produits agricoles dans la lutte contre la faim, mais aussi de veiller à la fois à la croissance des productions et à la protection des réserves naturelles. Selon les représentants de la FAO, Aristide Ongoni, cette politique agricole propose des innovations pertinentes, parmi lesquelles l'approche territoriale du développement durable de l'agriculture qui fait la promotion d'une vision consensuelle et spécialisé des ressources naturelles. Le ministre de l'Agriculture s'est réjoui du travail abattu par les participants. J'ai demandé qu'on puisse vite y ajouter ce que ceux qui sont venus de l'intérieur et les autres ont amené avec eux. Et puis après, il y a l'étape du gouvernement. Ce n'est pas évident. Ça peut être rejeté. C'est la démocratie, mais je crois qu'avec les intelligences que j'ai vues, ça pourra passer. Donnez-moi un peu de temps et on y reviendra. La FAO a renouvelé son engagement à accompagner la République démocratique du Congo pour éradiquer une bonne fois pour toutes la pauvreté et la faim. L'RTNC est victime d'une campagne de sape sur les réseaux sociaux. Le directeur général de la télévision publique l'a mentionné lors de la présentation du bilan de ses premiers 6 mois. Robert Belli Debunga a fait le point sur la situation de l'entreprise. Mamie France Zaina, Tony Djuma, reportage. 6 mois après sa prise de fonction, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Belli Debunga, a tenu une réunion d'évaluation avec les directeurs centraux de cette chaîne publique pour faire l'état de lieu de cette entreprise
et envisager les perspectives d'avenir. Plusieurs points ont été examinés au cours de cette réunion, notamment l'amélioration de la situation sociale des agents et cadres, les conditions de travail, la promotion du climat de paix au sein de l'entreprise, la gestion du personnel et des ressources financières et bien d'autres. Le numéro 1 de la RTNC a rappelé aux directeurs leur devoir d'encadrer les agents placés sous leur direction respective pour une bonne qualité de travail. Je me dois régulièrement de les réunir, leur rendre compte de l'évolution de notre établissement public, des difficultés que nous éprouvons et voir ensemble quelles solutions apporter par rapport à ces difficultés, mais également leur transmettre, n'est-ce pas, certaines décisions qui viennent du conseil d'administration, parce que nous sommes un établissement public avec un conseil d'administration, et tout cela pour le bien-être de tous les agents et cadres de la RTNC. Et c'est pourquoi j'ai pris cette initiative, une première que je voudrais pérenniser. Et nous sommes convenus que régulièrement, nous allons nous retrouver pour échanger, faire le point sur la situation de l'entreprise. Et je souligne aussi une chose, c'est que nous avons le soutien du gouvernement de la République, du président lui-même, il est très attentif sur tout ce que nous faisons, sur les difficultés que nous éprouvons. Les perspectives sont bonnes au regard de l'appui que nous recevons du gouvernement et nous savons que cette année sera prolifique pour la RTNC. Et je voudrais souligner une chose, c'est vrai, une campagne qui est menée contre nous sur les réseaux sociaux, exploitant certaines de failles que nous constatons, c'est vrai, nous sommes une chaîne où il y a les gens de tous ordres, de toutes les conditions, mais cela ne nous croche pas parce que nous savons que professionnellement nous sommes au point. Au cours d'un jeu de questions-réponses, les directeurs ont soumis quelques préoccupations au DG pour la bonne marche de l'entreprise, à savoir l'absentéisme et les retards des agents, les transports et les renouvellements de l'outil de travail. Infrastructures, réhabilitation des routes Kambove et Kipushi au Haut-Katanga, ces routes sont d'une grande importance économique et sociale. Le sujet était évoqué au ministère des Infrastructures. Un envoyé spécial du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Abulakatwe, qui est le ministre provincial des Infrastructures, Miguel Katem Kachal, a été l'hôte à Kinshasa du ministre d'État et ministre national des ITPR, Alexis Guissaro. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la réhabilitation et la construction des principales routes de la province qu'il préfère, notamment les routes Kambove et Kipushi. Le ministre provincial des Infrastructures du Haut-Katanga, Miguel Katem Kachal, souligne ici l'importance socio-économique de ces artères. Comme vous savez, Kipushi, c'est parmi les territoires aussi stratégiques, parmi les zones minières de la province du Haut-Katanga. Et sur ces, le gouverneur des provinces a préféré développer les territoires de Kipushi en passant par cette route qui est vraiment une route à caractère social et économique, afin de pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État qui est de mettre l'homme au centre de tout, développer les infrastructures. Le gouvernement central et provincial cofinanceront ces travaux, d'où ces satisfaits du ministre provincial Miguel Katem Kachal quant à l'appui de Kinshasa aux actions du gouvernement Kiabula. Nous tenons vraiment à remercier Son Excellence Monsieur le Premier ministre ainsi que les ministres d'État pour ses soutiens et cet appui au gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga vibre pendant cette saison sèche. De nombreux chantiers ont pris une vitesse de croisière. Jacques Kabula et son gouvernement marchent au pas de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ouverture, première conférence sur les défis de développement de la République démocratique du Congo, une conférence organisée par le corps scientifique de l'UDPS. Pendant deux jours, les enseignements vont cibler tous les programmes de la société pour proposer des solutions idoines au décollage de la RDC. Alain Bikaï. Première dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, qu'un parti politique puisse réunir des scientifiques formant un think tank pour réfléchir sur les défis de développement en République démocratique du Congo.
L'UDPS, par l'entremise de sa structure informelle, les corps de l'élite scientifique de l'UDPS a tenu à associer toute la crème intellectuelle du pays à la recherche des solutions aux problèmes de la société. Dans son mot d'ouverture de ses assises, le secrétaire général de l'UDPS a appelé l'élite à travailler pour l'émergence de la RDC et non pas pour les dirigeants politiques avant de garantir à l'assistance de la disponibilité de son parti pour la mise en œuvre des résolutions issues de ses travaux. À son tour, le coordonnateur national de cet organe spécialisé de l'UDPS est revenu sur les objectifs de cette messe intellectuelle qui se résume au bas mot à la recherche des solutions aux défis de développement de la République démocratique du Congo. Ensuite, s'en est suivi les exposés des éminents professeurs et scientifiques. Le recteur de l'Université de Kinshasa s'est penché sur les rôles de l'université dans le développement d'une nation. Le ministre près le président Nana Manoni Nakumba a abordé la problématique des changements des comportements et des mentalités impréalables pour le développement de la RDC. La négociation des contrats des grands projets en République démocratique du Congo et les mécanismes d'incitation et de détection des Congolais avec coefficients intellectuels élevés sont les sujets développés par les professeurs Jean-Pierre Zourou et Raphaël Matamba. C'est le conseiller spécial du chef de l'État Alexis Kayembe et le professeur Jean-Marie Béat qui ont évoqué tour à tour les enjeux énergétiques et les nexus hydrogène de la République démocratique du Congo. Cette conférence a servi de cadre de réflexion et d'échange pour le décollage de la République démocratique du Congo. La chancellerie des ordres nationaux fait partie des services d'assiette. Devant la presse, le responsable de ce service rattaché à la présidence de la République a expliqué les réformes ainsi que le fonctionnement de la chancellerie qui ne décore pas que les morts. Bobo Samba, reportage. D'entrée de jeu, le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matute Zouloa, a circonscrit l'objet de la rencontre du jour avec le professionnel de médias. S'en est suivi une série de questions-réponses relatives au fonctionnement et à la mission de la chancellerie des ordres nationaux. Les journalistes ont également été tentés d'en savoir un peu plus sur les réformes initiées par le chancelier des ordres nationaux. Le numéro 1 de la chancellerie, très détendu, a rencontré les attentes des chevaliers de la plume. La révisitation du cadre juridique, la transformation de la chancellerie des ordres nationaux en service d'assiette et le rayonnement de cet établissement rattaché à la présidence de la République ont été expliqués à la presse. Je me rends compte même plus loin qu'il y a une loi des finances, celle de 2019, qui fait de la chancellerie un service assiette, donc un service qui doit recueillir de l'argent à mettre au trésor public. Autre matière dans ce tête-à-tête, le dérapage constaté dans l'octroi de médailles par certaines organisations qui s'arrogent illégalement les prérogatives de la chancellerie des ordres nationaux. Une confusion que le général-major André Matute Zouloa dénonce. Le patron de la chancellerie des ordres nationaux invite également les associations affiliées à la chancellerie au respect des règles établies. La fameuse préoccupation relative à la décoration de morts n'a pas échappé aux professionnels de médias. La réplique du chancelier indique plutôt que son établissement a décoré plus de vivants que de morts dans une période d'une année, soit 5% des décorations à titre posthume sur 1007 décorations enregistrées. Les candidatures féminines sont encouragées dans l'armée. Une équipe de FARDC mène une campagne de sensibilisation pour l'enrôlement au sein des forces de défense. C'était à Kinshasa, précisément dans la commune de Ngaba. Il était 9h30 lorsque la délégation de l'état-major général est arrivée au complexe scolaire Mama Maza à Ngaba. Conduite par le général Justine Chéchi, point focal Jean au FARDC, cette équipe est venue mener cette campagne de sensibilisation de recrutement de jeunes de 18 à 25 ans au FARDC sur toutes les filles, dont le nombre est minime dans l'armée congolaise. Premier site de sensibilisation, les élèves de cette école, Mama Maza. Le général Chéchi, secondé par le colonel Odette Chilomba, a aussi conscientisé les garçons et les jeunes filles habitant dans les environs. Ils ont tous promis de relayer les messages au quartier Louis, aussi dans toutes les communes de Ngaba, pour que certains prennent l'option de servir les pays sous les drapeaux. Sur place, quelques-uns se sont fait inscrire
pour poursuivre leur formation et études dans l'armée aux frais des FRDC. Des t-shirts et sacs ont été offerts aux enseignants et à quelques volontaires en présence du représentant de la MONUSCO, organisme qui appuie les FRDC dans cette campagne. Occasion pour la promotrice de cette école, Christine Linzo, de soumettre quelques difficultés que les complexes scolaires Mama Maza rencontrent pour la bonne marche de cette école. Elle a appelé à l'assistance des bonnes volontés pour soutenir cette œuvre qui scolarise les démunis et les orphelins. Depuis 1991, sur place, le général a payé les frais scolaires de quelques élèves. La migration vers le système LMD, comment délibérer, sous quels critères, comment élaborer les relevés des cotes? Une équipe du corps enseignant de quelques filières au sein de l'Université de Kinshasa est en formation. Editia Lakatala. Pendant 4 jours, soit du 5 au 8 juillet 2022, les membres du jury et les appariteurs des facultés de l'économie, des lettres, de médecine vétérinaire, de pétrole et gaz, de l'énergie renouvelable, du droit, de médecine et de psychologie de l'Université de Kinshasa seront formés sur les systèmes de délibération LMD en la salle J de la faculté de Polytechnique. Objectif, comprendre les critères de délibération LMD, l'élaboration des relevés des cotes et des grilles de délibération. Le prof Eustache Banza, secrétaire général académique, explique. Nous avons commencé par 2 ateliers qui sont tous dans le Congo central. Et là, c'était pour faire comprendre aux gens que quand on parle LMD, et donc on doit enseigner autrement, on doit étudier autrement, on doit évaluer autrement, on doit gérer autrement et on doit professionnaliser. Les participants à cette formation ont donné de la voix. Apprendre la nouvelle façon de pouvoir délibérer dans le système LMD. Et que la session doit être organisée pour chaque semestre, pour chaque étudiant, on doit évaluer chaque étudiant. La RDC a procédé à une grande réforme dans son système éducatif, principalement dans l'enseignement supérieur. Et les délibérations ne se font pas comme dans l'ancien système. Donc il était impératif que l'on puisse mettre à jour, recycler tous ceux qui sont appelés à délibérer parce que maintenant c'est semestriel. Cette formation sera sanctionnée par la remise des brevets des mains du recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur docteur Jean-Marie Kayembe. Rendre effectif le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, c'est l'une des résolutions de la rencontre sur la paix organisée par la société civile à l'intention des communautés Emma et Lendou dans la province de l'Ituri. Les communautés Hema et Lendou s'engagent à accompagner l'administration militaire de l'Ituri dans la recherche de la paix. Dans cette province, engagement pris le mardi 5 juillet à l'issue d'une journée de réflexion organisée par la société civile de l'Ituri. Nous nous sommes tout dit et nous avons demandé encore une fois de plus l'accompagnement du gouverneur militaire jusqu'au bout et pour recevoir une paix durable qui est vraiment l'adage de la paix et qui est attendue par son Excellence Monsieur le Président de la République. Un motif de joie pour Dieudonné Lossa, président de cette structure citoyenne. Nous sommes convaincus que cet échange d'aujourd'hui et les échanges antérieurs et ceux qui vont suivre vont certainement nous amener à retrouver la paix que nous recherchons tant. Au vice-gouverneur de l'Ituri qui a clôturé ses travaux de plaider pour l'accélération du processus de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour matérialiser la bonne volonté des groupes armés à quitter la brousse. Nous lançons un appel solennel au PDDRCS parce que ces jeunes gens vont bientôt rendre les armes et c'est vous qui allez prendre ces armes. Que proposez-vous en échange avec ces armes pour que demain ou après-demain, la situation ne revienne pas au précédent état. Signalons que des missions de sensibilisation de ces deux communautés sur la cohabitation pacifique sont envisagées sur terrain pour consolider les acquis de la paix. Reportage de Junior Selemani. La 5e session de la quinzaine citoyenne de la société civile nationale a vécu à Kinshasa. Parmi les thèmes abordés, la paix, la cohésion sociale, les élections et la lutte contre l'impunité.
Dans le souci de renforcer la dynamique communautaire pour la cohésion sociale, les leaders et autres acteurs de la société civile nationale ont, au cours de la 5e session de la quinzaine citoyenne, réfléchi et mis en place des stratégies pour soutenir l'action du gouvernement en vue de construire la paix, la démocratie, le développement de notre pays et d'œuvrer pour lutter contre l'impunité. Les acteurs de la société civile ont mis en place une initiative d'une tournée internationale pour, n'est-ce pas, apporter leur pierre pour le retour de la paix dans notre pays. Et non seulement qu'ils parlent de la paix, mais beaucoup plus du droit à la paix des Congolais devant cette situation de plus de 25 ans de violence, 25 ans de massacre. C'est tout un quart de siècle. Alors, il est temps que les Congolais réclament leur droit à la paix. Eh bien, nous pensons que les élections, ça peut aussi être une réponse. Si ces élections sont organisées dans la paix, dans la transparence, dans l'apaisement et dans l'assurance. Cette démarche de leaders et acteurs de la société civile permet à la cellule observatoire et d'analyse des contextes généraux de suivre les actions du pouvoir public, des conditions de vie sociale de la population. Et également valider les cahiers des charges et élaborer un plaidoyer à soumettre aux instances nationales, régionales et internationales en vue de restaurer la paix et la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire national. Les femmes tiennent l'économie informelle, celles qui sont dans l'agriculture nourrissent des quinoa notamment. À Massina, précisément au marché de la Liberté, les maraîchères ont présenté le produit de leur champ. Des vastes étendues à perte de vue que les femmes maraîchères mettent en valeur avec différentes cultures. Amassina Mapela 1, l'honorable député provincial et rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Junior Nemba Nemba, y va régulièrement pour encadrer ses maraîchers. Les produits des différentes cultures sortis de cet espace verdoyant ont été présentés au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par le rapporteur de l'Assemblée provinciale lui-même. C'était à l'occasion de l'inauguration par le chef de l'État des pavillons reconstruits du marché de la Liberté. Des initiatives que le président de la République encourage et qui permettent non seulement l'autoprise en charge, mais également d'inonder les marchés de Kinshasa des produits bio. Seulement, l'accessibilité à ces milieux reste un casse-tête pour ces producteurs. Les eaux en furie envahissent quelquefois cet espace et il faut plus que le courage ordinaire pour évacuer les produits de la riziculture. L'honorable Nemba Nemba Junior en a fait une habitude et son plaidoyer mérite une attention particulière pour sortir ses populations de ce cloisonnement. Un mot de politique encore, l'Alliance pour le progrès du Congo affûte ses armes pour les échéances futures. Elle vient de mettre en place un nouveau comité directeur pour redynamiser son fonctionnement et ses activités à la base. C'est ce qu'on appelle la redynamisation à la base pour entrevoir et baliser les scrutins à venir. Et tout passe par une restructuration. L'Alliance pour le progrès du Congo se met en ordre de bataille. Le nouveau comité directeur vient d'être installé par son autorité morale, l'honorable Henriette Wamou. Mbukakei, c'est le nouveau secrétaire général et ses 5 adjoints avec comme mission relever les défis des élections à venir. Ce comité directeur devra présenter à l'autorité morale, à travers ma modeste personne, un programme de travail d'une année. Le 31 décembre 2022, le comité directeur présentera les éléments de préparation de la participation du parti aux élections de 2023. Les attentes sont nombreuses. Le parti place toute sa confiance en vous. Question d'actualité, la députée nationale Henriette Wamou appelle au soutien sans condition aux actions du chef de l'État, mais aussi aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées contre les M23 et son mentor, le Rwanda. En ce moment, notre pays attaqué à l'Est, l'APC vous invite à soutenir les efforts de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Tous et toutes, mettons-nous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, afin de bouter les ennemis du peuple hors d'état de nuire. Pour revenir à l'activité, le nouveau comité directeur de l'APC a pris la mesure de la tâche et compte relever les défis.
Cash, entendez, cap pour le développement doit être redynamisé et ses organes renforcés. C'est dans ce cadre que le secrétaire général de l'UNC, parti de Vital Kamerhe, a eu des échanges avec le secrétaire général de la Dynamique pour un Congo uni. La coalition Cash, cap pour les changements, peu visible sur les terrains, mais il demeure encore dans les esprits de ses initiateurs, le membre, personnalité ou formation politique de cette plateforme politique. La récente réaction du président de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, Vital Kamerhe, considérant qu'il fallait penser à la restructuration et au renforcement du cash au sein de l'Union sacrée de la Nation, peut présager déjà une harmonisation de vues entre les deux principaux partis politiques phares, l'UNC et l'UDPS, mais aussi avec leurs alliés. La Dynamique Congo Unie, DCU, parti membre allié au sein du CASH, prend l'initiative de rencontrer le principal dirigeant de ce parti. Hervé Bononge, secrétaire général de la DCU, a commencé par échanger avec le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, pour la cause en perspective de 2023. L'UNC et la DCU, nous sommes des partis frères. Après la sortie médiatique du président Vital Kamerhe qui a fait une proposition pour nous qui est très importante, celle de la restructuration et du renforcement du cash au sein de l'Union sacrée. Et nous nous sommes dit qu'il faut donc approcher le parti initiateur de cette très bonne idée pour essayer de savoir comment ils pensent le faire et leur dire déjà que nous avons un certain nombre de propositions que nous sommes prêts à soumettre à l'UNC comme à l'UDPS. Le cash perçu au niveau de l'opinion, c'est cet accord qui a été signé entre deux candidats présidents de la République. Le secrétaire général Billy nous a garanti que cette approche va être faite par le président Vital Kamerhe d'ici peu. Nous attendons cet appel, que ça vienne du président Kamerhe, que ça vienne du secrétaire général de l'UDPS, mon aîné Kabuya. Ce que nous voulons, on se mette ensemble, que chacun partage sa petite expérience et propose des stratégies pour restructurer le cash. Au regard de la machine politique en face, du côté de l'opposition, le cash au sein de l'Union sacrée a tout intérêt de maximiser toutes les chances pour garantir la victoire du président Félix Tshisekedi en 2023. Merci Rodé Panda. Cash, cap pour le changement. Et pour terminer cette nécrologie, la grande famille Kalokola, les familles Baïbo, Lokangu ont la profonde douleur d'annoncer la disparition inopinée de leur père, frère, oncle, en la personne de M. Kalokola Alumba Wanalemo, Dieudonné Prosper, oncle maternel de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola, décès survenu le dimanche 3 juillet 2022 à la clinique Galiema, de suite d'une courte maladie. Le deuil se tient provisoirement en la résidence familiale 659 avenue Luka, direction Chaba, quartier Diomi, commune de Ngiringiri. Le programme des funérailles se présente comme suit. Vendredi 8 juillet 2022 à partir de 18h, veillée mortuaire en la salle polyvalente La Fontaine, 63 avenue Banalia, quartier Lubumbashi, commune de Kasavubu. Référence, direction Gambela, non loin de la station Gambela. Et puis samedi 9 juillet 2022 à 10h, levée et exposition de la dépouille mortelle à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire, suivie de l'inhumation au nécropole 1 entre terre et ciel, bain de consolation dans la salle La Fontaine. Ce communiqué tient lieu de faire part. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez l'actualité à 23h avec José Baïtouambo. Demain 20h, Sandra Nyangitabou. Bonsoir.